Nous parlons, nous sommes là avec le sénateur Moïse Jean-Charles. Le sénateur Moïse Jean-Charles clair, d'où que 6-7 février, le président Jovenel Moïse, là toujours sous pouvoir, là content parce que ça permet que il y a des problèmes avec certains secteurs. Cap tout résoudre. Cap tout résoudre. L'homme pose la question, est-ce que c'est des choukaïs? Ça veut dire, il dit lui-même, il parle à Aden. Oui. Mais si le peuple a décidé de faire, il va gagner le cadi. Qui peut comprendre bien, oui, madame, monsieur. Qui peut. Ça veut dire que tu as une pression, tu as un stress là, sous 7 février 2021, ou après que, et quand là, tu as commencé. Monsieur. Commencé à venir. Ramolli un petit peu. Par contre, ça qui va passer en demain à samedi, vu que là, le sénateur Moïse Jean-Charles a relancé mobilisation à partir de demain à travers tout le pays. Mais on sentit que y a une conviction qui fait donc sur la date du 7 février 2021. Si le pays n'a pas fermé demain jusqu'à dimanche, l'autre dit fermé. Pays lock. Pays lock. Folta lock net. Folta lock net. Président Jovenel Moïse, pas fait yon panago, yon pakita. Eh bien, suivez mon regard. Non, mais au niveau du pouvoir, regardez l'intervention de Jude Charles Fosson. Pas de sérieux, non? Monsieur Doulouko désire, on ne s'inquiète pas, c'est comme si pas gagné. Pas gagné, mais pas gagné vrai. Louko. Eh bien, ce n'est pas non, il s'en gagne pas, tout le peuple a levé. Et puis, mobilisation générale. Louko désire. Et puis, Jovenel Moïse, pas de quoi que quitter le pays, chef là. Le peuple n'est pas au menu, c'est là le problème. Okay? Le peuple n'est pas au menu. Oui, mais en juillet, 6-7 juillet, moun te connaît le peuple a fait ça. Louko, je ne veux pas parler du peuple en tout dans, cas, ce, dans bon. Ce pays. Dans ce pays, le peuple n'est pas au menu. Dans tout le monde qui a fait là, le peuple n'est pas au menu. Hein. Et c'est là le problème. Non. Tout le monde qui a fait pas ou pas suivre le problème qui est dans l'opposition là. Yeah. En plus le problème, Louko. Bah, ne vous entendez pas. Et vous faites comme ça là. Ne vous entendez pas, soit un sérieux vrai. Ils font groupe nèg Alcyon bagay. Mais dans un groupe qui est dehors, un groupe qui ici. Même ça qui est passé à l'accord de Mayotte. Donc cela veut dire que, jodi à là, nous pouvons le côté de garde Louko Désir. Et c'est là le problème. Et là le bas blesse. Elle dit opposition pour comparer. Non, jamais. Donc pour la date du. Non, nous classons ça. Pour la date du 7 février, opposition pour comparer. Parce que pour le comparer, il faut dire écoutez, la nation haïtienne, mais ça va aller. Mais qui est-ce qui est président? Mais qui est-ce qui est premier ministre? Mais cabinet? Mais qui secteur comme vous avez? Nous allons attendre sous président. Sous plusieurs présidents. La communauté internationale, mais côté au camp avec nous. Le co-désir. Nous n'avons pas la parole là. Dans Alvarez, ça a la grande conférence qui a baillé. Le secteur jeunesse qui compte dans la rue à nèg yo y a une propre alternative pa yo nèg ça toujours dans manifestation c'est au commencer manifestation c'est au cap faire l'obé dans la rue mais on a l'obé brigade mais on a l'vaille ça là en tout cas on retend bonheur n'a recevoir donc quelques invités rapidement et puis nous gagne deux autres points qui nous va loin et n'a pas parler avec le ministre Mathias Pierre n'a pas rappelé dans moment n'a pas la voilà là Louko Désir monsieur 400 maroso yo mais yo metté et tout carrément tête en bas. Yo kidnappé, yo va démanteler, yo va démanteler. Yo démanteler une zone, yo reprend l'autre zone. Okay. Donc dans tout cas là, yo kidnappé 5 moun. Yo mandé pour que Kazek là faire dégager, remettre zam yo te prend, la police te prend. Donc tout cas c'est Tomazo. Dans zone Tomazo. Tomazo. Donc nous on a parlé là, tout cas tête en bas, n'a mandé la police nationale dégager le, démêler et ça Abdoulaye. Oui. Et nous te dit ça dans matériel bah oui. Démanteler nèg yo. On bo. Déloger on bo. Il va le regrouper, il y a l'autre bord. Et c'est ça qui déballe. Et c'est lui qui a fait là dans le moment. Et ceci dit, la police a goumé avec les gens qui ont fait manifestation. La police a goumé avec les gens qui ont fait kidnapping. La police a goumé avec les gens qui ont volé les gens. La police a goumé avec toute qualité de monde. Et ça qui fait, je dis à là, le travail de Léon Charles, je n'aime pas bon menti. Est-ce que monsieur Domi? Eh bien, ok. On allait. Et on a recevoir monsieur avant. Parce que depuis le matin, comment nous sommes? Nous sommes. Ah ok, très bien, parfait, ok. Monsieur, comment nous représentez-nous? Donc, raison fait que nous avons un débat, je dis, hein, et puis qui secteur politique nous représente? Moi-même, c'est Jean Batelby, moi c'est président du parti politique, l'Union des démocrates pour la libération d'Haïti. C'est membre alternatif 2021. Eh bien. Moi-même, moi c'est Yves Chéri, moi c'est porte-parole du groupe La Voix, qui c'est organisation sociopolitique. Mais ensemble, nous formons une plateforme politique qui est l'Alternative 2021, qui propose à Nation 1 une solution qui est beaucoup plus applicable, qui est beaucoup plus faire, à savoir que nous mettons le peuple à devant. Nous-mêmes, nous proposons une sortie de crise avec une transition de 1 an. Okay. Qui pense, que nous pensons qui est respectable dans le délai que la Constitution baille déjà pour transition faite.
Et ça fait que nous-mêmes, et à travers tout ça, nous proposons une nation, une solution de crise qui est beaucoup plus abordable que par rapport avec l'autre secteur qui est politique qui est dans le pays. Ok. Alternative 2021, son plateforme, et qui regroupe combien de partis politiques, structures politiques, organisations de base et secteurs, et qui est-ce qu'il y a avec nous? En fait, ça bon. Lui-même. Bon, normalement, et Louko, en dedans plateforme, nous presque gagnons 20 et plus partis politiques que possible. Okay. Et en termes d'organisation de base, Louko, ça c'est pas parlé, nous presque gagnons jusqu'à 20 à 25 partis et organisations de base que nous gagnons qui fait partie de plateforme. Mais objectif plateforme, nan, qui s'allie? C'est ouais, ensemble de propositions qui ont passé à travers le secteur politique là par rapport avec la crise qui va venir 7 février là et que nous-mêmes nous prenons réflexion, nous prenons doléance peuple là pour que nous porter son solution de 1 an maximum pour une transition ta fait par rapport avec la constitution. Parce que il y a un problème que nous-mêmes nous poser, une question que nous poser. N'a demandé monsieur Jovenel pour respecter la constitution pas vrai Louko. Mais est-ce que nous-mêmes dans une proposition de 2 ans nous respecter? Bah quoi. Parce que la constitution elle-même elle dit que une transition t'a supposé faire au grand maximum 120 jours. Mais l'on m'a dit pour faire un deux ans pour faire une élection, parce que là, on ne peut pas parler de constitution. Parce que si on n'a pas parlé de constitution dans le pays, pour Jovenel t'a respecté, il faut que même tout t'a respecté, terme légal que la constitution t'a fait pour une transition qu'a fait. Et nous, on était quoi tout, ou une transition dans le pays, c'est pas le fou et quoi dans une série de bagailles pour qu'elle gâte une série de bagailles qui déjà dans le pays. Ou alors, transition, c'est faire l'élection le plus vite que possible, Louko. C'est prendre un pays, c'est ça le tadoué. C'est pas dire mon bras le faire procès Pétro Caribé, c'est pas dire mon bras le faire ensemble de procès. Quitter élu pays a fait travail ça pour nous. Parce que, en transition, nous était quoi que c'est un accident de pouvoir qui fait qu'on gagne pouvoir dans mon. Moi, gagne pouvoir dans mon, Louko. C'est pas peuple qui a pouvoir. Son problème administratif qui passe à travers, on dérive d'un pouvoir qu'il a déjà. Je n'ai jamais envie de pouvoir dans mon. Est-ce que nous allons tolérer situation ça à côté que pour peuple à la journée pendant 2 ans encore? Nous souffrons ça, monsieur, pour nous dire que le peuple va faire 2 ans, et nous dit 2 ans, il va pas en plus. Parce que Mabga, on fait 2 routes qui sortent, il y a 35, il y a 37 points de la donne. Ouais. Ça, c'est. Ça, son pouvoir, Louko. Et on quitte le pouvoir derrière. Ça, c'est un régime politique. Ouais. Ça, c'est un plan, une bataille politique pour nous parler devant le peuple, pour nous dire, mon cher, mais ça va faire un pays comme réforme. Et même quoi, ça va mettre là, c'est qu'il suffit pour faire. Non, monsieur, faut nous respecter. Moi, j'aimerais quoi, faut nous respecter le peuple. Peuple a demandé pouvoir qui c'est. Nous-mêmes dans un pays ça, nous croyons la démocratie. Démocratie à salé Louko. C'est bail peuple la possibilité pour la voter moun livlé. Certes, monsieur Jovenel lui-même, il est clair que à partir de 7 février 2021, en fonction de dérive que l'était fait, en fonction de constat que l'était fait dans le pays hein, par rapport avec élu, il était dit que madame monsieur fini. Nous yo t'a la même élection avec elle. Tout à l'heure là m'tapant des porte-parole là qu'a parlé. Nous une question nous pas poser. Pour qui ça élu qui était là avant yo, qui participait dans même élection avec monsieur Jovenel? Mandat pas fini, mandat pas là pour finir. Ça c'est une belle question. Même moi j'ai toujours évité poser ces questions. Ça moi j'aime bien me poser. Je m'a retourner sur Namdia pour dire que rôle en transition, c'est rétablir l'ordre démocratique le plus vite que possible. Nous projeter peuple là devant. Nous dit que là comme il y a une réforme qui t'a supposé faite en dedans constitution, hein, nous supposé bailler nous plus temps. Cependant, 1 an suffit largement techniquement, Louko, techniquement possible pour faire élection. Peut-être politiquement pas possible parce que acteur politique qui sont là, ils ne veulent pas l'élection. Parce que connaît peuple pas voter. C'est peut-être ça au moins de plus temps pour qu'à gagner du temps pour aller à l'élection. Donc moi même non. De transition, qui ça différent de proposition que nous faisons avec l'autre proposition qui est déjà sous table là. Bon nous même dans alternative là, nous croyons que avant de parler de transition, transition a commencé déjà depuis les députés par là. Depuis là vous voyez sénateur ou talis, transition a commencé là. Pour la transition commence toujours depuis le nommé Maïs Actelio par membre intérimaire. C'est transition. Pour la transition a continué à monter. La, il est arrivé dans le pouvoir exécutif qu'on est là. Maintenant, nous même demandons respect de la constitution pays. Pour faire la démocratie, il faut respecter la loi pays. Et nous même en dans l'alternative, nous disons que nous baillons. Plan comment pour transition en fait et nous dit que côté pour nous aller nous aller dans la cour de la cassation mais pour aller dans la cour de cassation j'aimerais le pays a dit là c'est le juge qui est plus ancien en tant que on marcher vers l'autre juge et bien nous mêmes nous tout faisons proposition pour le premier ministre là qui c'est mettre Mario Beauvoir
qui c'est ancien. Nous tout faisons proposition. Oui, nous même nous parlons de Wesh Caché, mais ça n'a fait à nous faire nous finir. C'est-à-dire que le peuple a attente, le peuple a besoin de solution. Comme pouvoir comme prochain premier ministre. Comme un technicien qui te font travail remarquable en dedans quoi des bouquets comme commissaire du gouvernement, à tel point que l'El t'a fait travail, il était remarqué que travail sale, pas de café, il était obligé de démission. Parce que travail il t'a fait à gouvernement Badlil. Donc nous même nous choisissons un monde qui respecte la bande d'un pays à nous mettre la donne et nous te supplier l'empile pour t'accepter. Le président a sorti dans le coup de cassation. Oui, clair. Et puis mettre Mario Beauvoir comme premier ministre. Il y a un plus gros problème que nous avons dans le pays ça, Louko. Nous avons un problème comme si nous avons différents acteurs politiques. Nous avons un problème institutionnel dans le pays. Je ne veux pas dire là. Ce n'est pas nous même qui avons dit Jovenel, mandat fini. C'est l'institution qui a dit ça. Ok, nous tous faisons une proposition. Qui est-ce que nous avons dit? Nous n'avons aucune institution qui a recevoir le nom de nous. Nous maintenant, nous c'est blanc pour le faire pour nous. Là encore, c'est un problème. Et moi, je crois que blanc son voisinage lié. Le problème là, quand on a tellement fait brûler le vinyle, vient du voisin, ça a passé. Il a proposé un bagage. Mais la solution est là, quand nous pour le sortir. Mais pour nous, je ne veux dire, là, c'est un problème institution lié. Et c'est l'institution qui peut déclarer que le mandat monsieur a fini, pas nous même encore. Eh qui ça nous est? Nous même nous c'est des acteurs politiques. Mais si l'institution là yo style nous joue à Bobéil après 7 février, c'est institution coupable. Eh OK, là allez-y. C'est ça qui fait demander tout. Faut démafiatiser la question politique en Haïti. Ouais. Et faut nous gagner l'autre opposition qui faible ou qu'on pouvoir qui faible. Claire. D'accord? Chaque pays a marché là. L'intellectuel va consolider. Eh bien. Pays a non pente, l'a descendre. Faut gagner petite li qui pour remonter. Très bien. D'accord? Et si nous pas retirer mafia ça, ma en pile mafia en dedans institution publique nous, eh bien un jour Haïti a fini net, c'est ces domaines capables. D'accord avec monsieur, nous notre démarche que nous y a là, nous connaît que nous pas capable aboutir, nous pas capable river pour nous. Faut nous gagner des alliés même au niveau de l'opposition. Et à qui est-ce que nous chita? Bon, et nous chita avec plusieurs secteurs déjà, nous chita avec le Parlement populaire déjà, qui déjà font un travail remarquable, qui semble qui pratiquement similaire avec Panouan, hein, qui m'a dit un an. D'ailleurs, moi, je suis un peu plus loin. Depuis ce monde qui a réfléchi avec le pays, nous chita avec eux, ça. Eh bien. Depuis ce monde qui a réfléchi avec le pouvoir, comme si qui ouais, comme si nous avons un pouvoir, un bagaille indéfini. Ou senti ça la caillou, des fois, même moi-même, je suis chita avec eux. Eh bien. Parce que moi-même, je ne suis pas capable de problème peuple ça là. Le jour et là, comment mon gars fait qu'un bon pouvoir dans mon boudou, faire deux ans avec elle. Soit le favel. Et pouvoir gagner, peuple a de bon pouvoir. Non. C'est élection pour bon pouvoir. Président, en fin de mandat, donc il y a des questionnements, mon frère. Et en tout cas, et Nabdo, merci. Si Pierre Martin, par contre, si Pierre Martin, une question sur l'éditorial là. Maître, est-ce que qui sont pensés. Alors, qui position pensez en Sénat, parce que moi-même, moi, je dis Sénat, et parce que tout département... Ma copie, Pierre Martin, t'as tout très mal. Ok. Ma copie, très mal. Et m'a connu, non, là, Pierre Martin, vous mettez à l'écounia, et... Qui sont, qui, comment pensez Parlement, Sénat, t'as doué et camper, comment t'as doué camper vis-à-vis de questions et nouvelles constitutions? Bon, mais écoutez, et sacré dans le Parlement là, est-ce que parce que on parle d'un Parlement dysfonctionnel, comment le cas camper? Bon, bah, comment le cas camper là, parce que son Parlement dysfonctionnel lié. Gagné des individus, moi je voulais dire tirer Sénat parce que je trouvais l'antisan offensant, tirer Sénat antisan offensant, je pensais qu'il y a des sénateurs restants au Parlement, hein. Je pensais qu'il y a des sénateurs restants, mais tirer Sénat antisan offensant. Oui, après c'est comme ça. Ça veut dire français à Bibel Robinson. Non, c'est pas français à Bibel, non. Il y a des sénateurs qui étaient. On va dire pas rester là, il y a des sénateurs qui étaient. On va dire ça. Alors, Gontier qui était. Non, toi, Gontier qui était. Oui, Gontier qui était. Donc, c'est ça pour vous dire. Et même pas comment on va le camper face à. J'aime bien dire dans l'éditorial là, on soif de vengeance, nous avons une dynamique de sauf-faire, et au bâtiment blanc, et bâton de bâtiment blanc, c'est lui-même qui va le battre chien noir. C'est une dynamique de vengeance là, et tout n'est que c'est des acteurs politiques, qui n'a pas. Donc, on pense qu'il y a des bâtiments qui ont fait, mais c'est des bâtiments qui ont fait pratiquement dans la rue, mais nous va vraiment gagner. Parce que l'institution est tombée là. Moi-même, c'est moi-même, moi pas la question que Sénat
Alors moi m'ai utilisé tiré Sénat et pour le camper en face. Question pour moi, c'est pas camper en face. Mais puisque le pays est représenté en bas, ça veut dire que gain 10 tout 10 départements. Maintenant tu gain 3, je dis à gain au seul qui représente pays. Maintenant puisque yo représenté en bas, mais faut quand même yo dire un bagage et pour yo dire un bagage, c'est pas patriote, c'est pour yo gon document que yo fait. Quel que soit moun ki pa ba l'importance ou bien ça si ça fait pas mais yo même comme représentant en bas mais faut que yo di un bagay. Bon de toute manière on va y dire quand même. Li pa tande? Li tande oui. Tout ça qu'on fait là c'est dans la réalité. Et m'pa croire que le président Sénat ça est carrément le dit et mandat président fini, faut que l'aller. Qui va le prendre? Qui est-ce qui va le prendre? Qui route va le montrer pour le faire? Et puis, bon question de. Écoutez, Pierre-Martin Tatoute, bon question de reddition de compte tout dans la bagage. Bon question de reddition de compte. Vire tout n'est président, faut que l'aller. Mais qui va le prendre? On est utile, etc. Non, ça, c'est pas sérieux. M'pa c'est qu'on procédure, en vrai, qui peut établir, nous, écoutez, mandat président Jovenel, ça fini. Mais s'il finit, qu'on procédure, qu'on gens, soit pour nous le prendre, soit nous pour, par contre, pour nous accompagner, mener l'autre côté, etc. Parce qu'on question de reddition de compte. Faudra prendre un compte. Si tu as pas président, vous y aller à Juy, et puis après ça tourner, et puis paisiblement, il y a plus. C'est pas sérieux. Et à fait, faut que Jovenel Moïse aille, hein, et là, mon petit Jean, trouver, il n'y a pas de sens. Ce matin, mais personne ne m'a allé. Mais okay. Si mandat fini tout, mandat fini. Oui, est-ce qu'on a dit là, puisque si mandat fini pour nous fini et Robinson, et mandat fini, tout le monde constate, du moins, on dit, et les opposants. Bon, bah, tout le monde dit, Non? Nous rectifier. et opposition, ils ont constaté que, d'après eux-mêmes, dans trois jours là, et mandat président, la privée dans le bout de lit. Mais jusqu'à présent, pas gagné un mécanisme de remplacement de président qui est en place pour dire mais qui est-ce qui va le remplacer, le premier ministre, etc. etc. Donc, et parler, il n'y a pas arrêté comme ça, payer, il n'y a pas arrêté comme ça. Est-ce que tu as dit, Robinson, pour me poser la question clairement, il y a une nécessité là, dans trois jours qui étaient là, pour gagner un accord, pour jouer un mécanisme ça, pour remplacer le président Jovenel Moïse. Bon, la difficile proposition, je n'ai pas encore. Même parce que dans trois jours qui étaient là, il y a une nécessité pour l'opposition organisée. Et ça fait bien un même message conférence des évêques catholiques d'Haïtiens qui parlait d'un dialogue social et institutionnel. Je pense que je dis, opposition, société civile, il y a une nécessité pour organiser, pour préparer le départ Jovenel si le mandat finit tout bon vrai. Okay. Mais qui ça, selon la Constitution, qui ça t'a pu sembler que tu as fait? Parce que quand même, quand la Constitution a tracé, on sait de bagaille dans le cas ça. Qu'est-ce que tu as semblé que tu as fait dans le cas spécialement nous là? Conseil de cas qu'on arrive déjà dans le pays, hein? Est-ce que c'est cassation? Est-ce que c'est premier ministre là? Est-ce que c'est président Sénat à cause de l'Assemblée. Il y a un déficit. Mais même s'il y a un déficit à tout, et si la société a accepté ou bien l'autre institution a accepté pour. Et Sénat organisé en élection avec des mounio. Yo ta dit qui est-ce qui t'a doué participer à la donne. Ça veut dire que gen bagay selon la constitution qui semblable. Par exemple, premier ministre, par exemple, coup de cassation. M'a connaît. Qui sont pensés? Bon, moi, j'aime tout là, Pierre-Martin là tout. L'intéressant pour nous organiser nos propositions, société civile organiser nous. Parce qu'on dirait que nous n'avons pas aucun schéma déjà tracé. Nous n'avons pas entendre nos journées aujourd'hui. Si ça me dit comme ça, nous n'avons pas arriver à un accord vraiment. C'est Chita pour nous Chita ensemble. Et puis, peut-être, pour nous entendre nous, sous peut-être ça nous pas. Est-ce que c'est le premier ministre en apprend? Peut-être dialogue social et institutionnel là, parce que nous pas parler même, c'est parler pour nous parler aujourd'hui. Parce que ça qui arrive là après 7 février, moi-même parle avec plusieurs hommes
et avec plusieurs juristes. Yo dit carrément, selon la Constitution, mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 2021. Mm-hmm. Mais on a besoin de tout, que je parle avec plusieurs juristes qui ont entourage Jovenel Moïse. Yo dit comme ça, mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Gros problème là. Gros problème. En tout cas, ou bien a fait coquin. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour que le président de la République, pas un président, un chef de l'État, empêché de couvrir une élection là-dessus, c'est l'intéressant pour nous citer à parler. Voilà. L'intéressant. Merci, et au Benson d'Haïti, et vraiment, et pour l'éditorial là, et puis rendez-vous demain pour un autre éditorial. À tantôt, on se reparle demain. D'accord, voilà, c'était Benson d'Haïti. Et notre éditorialiste qui souhaite porter pour nous éditorial ça, 13 janvier 2020 versus 7 février 2021. Bonjour Esaü César. Bonjour José Lexidor, bonjour Pierre Martin Tatout, bonjour Louko Désir, bon anniversaire. Et mon frère, et je souhaite que toute bagaille allait bien pour vous. Je souhaite que vous gagnez le même gouvelin, vous continuez à me servir PIA. Même j'ai dit, eh ben nous n'a perdu PIA. Nous espérons que, et pendant que j'ai dit ça, tout le monde comprend, je ne veux dire là, nous sur route pour nous perdre PIA. Mais du fond du cœur, mon cher, et nous souhaitons tout bon bagaille pour vous, matin débat, à part compagnon, dans le cadre d'anniversaire. Et il y a un gros cadeau captain nous là. Et l'international est demandé pour que le Québec ferme à la ganache. Et vous reconnaissez qui s'est fait fête là. Est-ce que c'est où il va le pouvoir? Et comme cadeau. Et pas grand-rien. Et pas grand-rien pour le bailli, c'est que l'international a réfléchi là. Que le baron citoyen neutre. Pouvoir et on pourrait tirer toute bagaille, on toute parole en pile l'obéis à eux. Donc Louko Désir, elle est à sous liste là. Donc bah qu'on est, on et n'a pas voulu madame Léon Charles pour le voyer sécurité spéciale by Louko Désir parce que dans les jours à venir, il y a des décisions qu'on va prendre en plus haut niveau. Ok, sur le plan international. Ok, sur le plan international, Louko Désir. Et il y a ces monsieur qui est capable, une personnalité qui pourra gérer le pays. Donc, je ne sais pas qui est, mais l'essentiel c'est que et, la nature c'est en bas pour vous. Mais l'assemblée depuis jeudi à là, mais comment c'est fêté, Louko Désir? Parce que le peuple a voulu, le peuple a besoin. Ok, le peuple a besoin. Nous avons une bonne fête là, nous trois ensemble. C'est moi qui ai compté. 1, 2, 3. Bonne fête, Louko! Alors, moi d'octobre, la forme de son gros mois. Moi, monsieur. Et c'est moi d'anniversaire, tout gros mounio. Octobre, vous dites. Ah oui, gros anniversaire, gros tout le monde, tout gros mounio. Et c'est anniversaire. José Lexidor. Moi d'octobre, anniversaire, tout gros mounio. Monsieur, mois février. Allez, n'a privé, mon cher, n'a privé, son rien. Mois février, c'est l'autre gros mois. Parce que c'est anniversaire, Louko Désir. Et c'est anniversaire. Et Amadou Richardson César, petit Esaü César, premier petit moi. Et 6 février là, c'est pas l'anniversaire monsieur. 11 février, c'est pas l'anniversaire. Et madame moi, maman Sébastien Giovanni, le sauveur d'Haïti, hein, 11 février, chef de l'ordre François Nosé alias Kimberly qui je ne veux dire là, nous connaît et les amis de l'ONA. Il a vécu une situation tête chargée. Dans le moment où on a parlé, voilà là, l'ONA sous deux pieds militaires. Tout ce qui s'allie, tout annexe ONA, il a en chambre le balistrade, il a frappé. C'est dans le cadre ça qui fait que, est-ce qu'on a pu recevoir un monde dans l'ONA? Il y a plusieurs mouns là, et qui ont même, à certains niveaux, ils ont mauvais coucou, Josué Lexidor. Ils n'ont pas comprendre pour qui ça a kidnappé Zami ça. Et n'a pas essayé de parler avec divers mouns qui ont même, mais je dis à la nous connaît l'ONA et qui c'est une institution qui fait un travail sérieux en un pays. Mais il faut que nous disions que et nous allons regarder exactement et comment la situation est kafou et gagner l'ONA. Et alors, et où c'est employé l'ONA? Comment ça est pour la journée? Comment là est-ce que le mouvement va continuer? Eh bien, ok, nous allons. Où est-ce que vous êtes là? C'est Bertoni. Et c'est un employé l'ONA. Allô? Allô? Allô, Bertoni? Oui, allô, Bertoni? Oui, là, oui, chef là. Oui, oui, comment nous y est? Et où est-ce que vous êtes employé l'ONA? Dans Carrefour? Oui, dans Carrefour? Oui. Est-ce que vous avez un mouvement qui a fait toujours? Oui, un mouvement, nous avons.
Nous avons un mouvement là actuellement qui est un peu de 3 ou 4 réadjus qui est en passé déjà. Juste. Qui peut oui. Se... Alors, nous tout, est-ce que c'est tout ce que ça, le Onayo qui peut demander libération? Oui, libération, oui. Tout ce qui est net, même central Sénat et tout. Tout province, tout côté. En tout cas, notamment dans nos passes préférences pour nous venir parler à Mounio, venir des Mounio tout. Eh bien, ok, pas de problème. D'accord. Voilà, et ça, c'était yon employé Ona qui lui-même t'a expliqué. Alors, on dit que, quel que soit le côté qui est Ona, employé mobilisé pour demander libérer Emmanuel qui lui-même a été kidnappé. Et dans le même jour, un grève dans TVA, dans le même jour, Benel Saint-Just qui lui-même a envie de placer. Je... Benel, bonjour, comment nous est-ce? Je suis. Ou en direct, dis-nous. Ou mettez en direct. Oui, nous n'avons pas souhaité ça. Alors, oui, je t'ai parlé pour me dire que bon message pour donc me développer pour intervention matin. Bon, au gars, t'as mettez en direct. T'as parlé sérieux avant ça pour me dire avec tout ça. Ok, ok. Bon, quand même, moi, je suis en direct, je salue tout le monde. Et t'as semblé que je disais que les sept. Le coup, d'après Isaïe, c'est ça. Ah bon, dis t'as semblé, chef là. En tout cas, intervention pour la lita fête sous qui ça et exactement. Bon, et c'est sous dernier rapport que Transparency International publié. Alors, il paraît. N'a marché dans les affaires corruption. Exactement, n'a marché dans les affaires corruption. Qui donc, nous avons trouvé que c'est important pour nous rappeler, Mounio. Donc, pendant que nous sommes dans le pays, nous sommes consistants. Nous pas réglant rien qui sérieux, eh bien Haïti lui même gon bilan qu'a préparé pour lui. Que ce soit maintenant c'est au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'organisation de l'administration publique haïtienne, donc gagner des résultats qu'a tombé. En tout cas, vous c'est sûr que partager avec nous position Haïti, chiffio et c'est sûr que vous survolez le rapport là qui ça ligue la donne. Bon, nous rappeler que depuis 1995, ONG britannique sacré le Transparency International, c'est lui même qui gagne dans même monopole pour pas dire indicateur pour indicateur mondial maintenant sous corruption et il évalue maintenant performance secteur public dans domaine gestion et ressources financières en particulier. Maintenant pour l'année 2021 là, Haïti occupé la 177e place sur 180 pays avec un score de 18 sur 100. Donc alors 177e place sur 180. Alors sous 180. Ça veut dire nous parmi 10 pays qui plus corrompus dans le monde aujourd'hui là. Ça dit là. Exactement, et les nous prend Caraïbes là, nous sans ces derniers et l'autre prend l'Amérique, c'est encore accompagné des Venezuela mais qu'à Venezuela on parle moins comme ça parle moins qu'à Venezuela parce que bagarre politique qu'à Venezuela mais qu'à Haïti lui-même son bagarre qui purement économique. Maintenant on nous font un petit rappel pour nous dire tout le monde si nous t'as fait si nous t'as résumé gouvernance pays pendant 4 dernières années la période que le président Jovenel Moïse prend pouvoir nous pourrait dire clairement il était dit lui-même pays a gagné 5 problèmes. Corruption. Mais le président trompait ce concept-là. Il parle ni compte que corruption, ce n'est pas un problème. Corruption, c'est une conséquence de la mauvaise gouvernance. Alors, corruption, il représente fièvre, là. Il dit que c'est un malade. Exactement. Le président même prend pour maladie, et pas maladie en fin de compte. Donc, maladie a résidé dans un mauvais état qui lui-même engendre une mauvaise gouvernance et mauvaise gouvernance a lui-même li bay résultat corruption. Que ce soit maintenant c'est népotisme, clientélisme, favoritisme, prévarication, eh bien je dis à nous gagner ça relé un état et une administration publique qui gangrené avec corruption jusqu'à ce que maintenant entre les présidents de Jovenel Moïse ont pouvoir, nous étaient classés 161e pays dans le monde là, en matière de corruption. Donc, pendant 4 ans, de 2017 à 2021, là,
Sauf que nous pouvons comprendre 2021, bien entendu. Mm-hmm. En réalité, 2017, 2018, 2019, 2020. Mm-hmm. Donc, le pays a perdu 7 places du jamais vu dans l'histoire. Qui donc, nous capables de poser la question ça. Haïti, c'est un rare pays qui gagne 6 institutions de contrôle. Mm-hmm. Ça veut dire donc, nous gagnons presque plus d'institutions de contrôle que n'importe quel autre pays. Nous n'existe que deux noms. Voilà, nous avons UCREF, qui est l'unité centrale de renseignement financier. Mm-hmm. Nous avons ULCC. Mm-hmm. Nous avons IGF, qui est l'inspection générale de finances. Nous avons CNMP. Nous avons Parlement. Bien que le Parlement, même si en 2020, il pratiquement pas existé, mm-hmm. d'après le président. Et nous avons CSC, slash CA, ça n'a pas le coût supérieur des comptes. Qui donc, nous avons 6 institutions de contrôle. Cap gérer aspect finance pays hein, et nous gagnons économie publique qui pille mal à travers le monde. Qui donc, situation pays est extrêmement grave, Haïti pas de jambes dans le niveau ça. Dans toute dimension économique pays, hein, nous censés faire c'est régression totale, de pas rien insérer vraiment. Nous sommes censés enregistrer en termes de performance. Bénin Saint-Just. Et pendant l'année là. Bénin Saint-Just. Où sautez mentionné là, nous gagnons UCREF, ULCC, CSC, SLA, CA, oui, alors, IGF, CNMP, Parlement. Ou pas 6 institutions qui là pour contrôler question finance, question corruption, question. Exactement. Dans le pays, à tous les niveaux. Qui bon problème nan yé exactement? Qui bon. Fait que c'est régresser, n'a pas régressé dans la question corruption, c'est montrer, n'a montrer monde là que nous pas qu'à gérer et dans la normalité, c'est montrer, n'a montrer monde là, c'est nous c'est décorrompu. Alors que institution là, qui ça problème là exactement? Est-ce que c'est wall institution ça y est, du moins, y a pas bail au moyen pour faire travail, ou bien son problème de monde que nous gagnons? Qui ça problème là même? Alors, moi pense, si nous étions sous cas ça, si nous étions sous cas corruption seulement, si nous prenons la racine problème pays, la racine pauvreté, nous prenons pas de bagaille. Mais si nous apprêtons uniquement dans sa nié là, dans l'aspect corruption, moi pense, et il y a quelques institutions que nous gagnons là, il faut prendre une institution internationale, et vous avez fait propre enquête sur vous-même, pour vous voir que ça nous gagne un cap contrôler la corruption, est-ce que vous-même tout, il n'y a pas voté dans la corruption en tout. Chose là, comme si, mais, chat, vraiment. Bon, mais il ne paraît ça, parce que qui ça n'en est pas comme on peut dire. Donc, l'organe, amen, regardez pour nous, si nous gagnons, si c'est situation de contrôle, c'est que Haïti, chaque année, a pris mal, et puis il y a gangrené de corruption. Et, bon, Mexico, il y a un aspect pour nous comprendre. Haïti, c'est un pays qui fait plus mauvaise gestion de COVID-19 là. Dès que vous mettez que Haïti, bon, naturellement. Naturel, hein. Puis un matin, il m'a dit bagay ça, t'es ça pas pour nous. Ou bien t'es ça à bon bagay là, comme si nous ne sommes pas capables de mesurer. T'es à permettre nous même nous pas mourir dans COVID. Mais l'État n'a rien absolument l'État fait pour lui-même. Au contraire, comme diaspora bénéficie du gouvernement américain, plus utile haïtien. Que ça, l'État de la baie haïtien. Donc, je rappelle qu'en début de COVID-19, là, ça va empêcher que nous, diaspora arrête une entité, pour me dire secteur, qui baille plus l'argent dans le pays. Donc, contrairement à ça, nous débat l'année dernière, en termes de fonds, de transfert, nous faisons, diaspora répéter même performance. Malgré à l'État, il y a même plus de problèmes. Mais parce que le gouvernement américain était pas de bonne disposition, que tout le monde a eu l'allocation, eh bien, il permet de recevoir les familles de bénéficier toujours. Mais maintenant, sous le point COVID-19, dans l'ensemble pour Haïti, ça va être catastrophique. Donc, et je crois que Transparency si plaint de ça en pile, il plaint de mauvaise gestion systématique de plan que l'État a gagné pour COVID. Et l'agence de la c'est gaspillé. Donc, en gros, ça nous dit nous bien qui c'est institution de contrôle yo. Je dis à la fois haïtien yo même t'a posé cette question. Est-ce que corruption c'est pas avec la caille tout lié puisque l'entrée dans l'administration publique là, c'est à tous les niveaux dans tout échelon yo où une corruption est systématique. Alors donc sous point ça et Benel gain alors non petit parler me dégager à mes amis.
et il était un constat que m'a partagé à coup et alors il était même dit il ca font budget s'il ta gagne pour ta gouverner pays ça diriger pays il était même font budget li ba yon somme et puis il dit tout ancien ministre ancien premier ministre ancien directeur général et ancien secrétaire d'état et tout le monde qui te gagne de grandes responsabilités dans l'état et puis il dit bon moun sa yo mban nou pour nous financer budget ça mais qui ça sous qui ça chita et gagne des moun ou regarder gagne des directeur général ou regarder gagne question déclaration définitive d'impôt que haïtien ou du moins dirigeant nou yo son bagay yo paix. D'ailleurs, rapport et Fondation J'éclairé, tu es sur ton rapport sur ensemble sous parlementaire. Yo, moi c'est 97% parlementaire et pas fait déclaration définitive de pour ni les apprendre ni les oublier. Exactement. Et, voilà. Donc, lorsque mon gagne un poste de direction, un poste de ministre, où elle entre yon jan et puis deux trois mois ou bien un an passé. L'orga de sal possédé en termes de bien, sal gagné en termes de richesse actif. Mm-hmm. Et pour comparer par rapport à sal gagné comme salaire, ajouter sous frère, ou ajouter sous frère que le gagné salaire plus frère que le joigne, ou est un monde de différence. Est-ce que si nous avons gagné, nous avons arrivé dans un état qui est fort, un état qui a fait institution au travail? Nous pas ta ka financer budget nous nous-mêmes. Mais écoutez, Haïti gagne assez de ressources pour lui-même lui financer propre tête par lui. Mm-hmm. Donc on y a est-ce que question était aller sous moun ça obtenir dans l'état par rapport à ça vienne comme patrimoine je dis est-ce que pas capable de financer budget l'état. Mm-hmm. Ah moi-même moi penser oui. Moi penser oui. Donc vous pensez ça? Bon, bien sûr, je pense oui, puisque nous tendez l'argent qui passait. Mm-hmm. Et ceci, tout le monde gagne information. Sauf que, malgré les tentatives de moi, je veux dire, réplique que la population a essayé de faire, mais ils étaient quand même mm-hmm. insatisfaits. Donc, oui, ça dit, nous sommes capables, si nous faisons une évaluation globale, nous rendons compte vraiment et. Des moyens, des gens qui ont l'argent pour financer l'État. Et c'est toujours gain. Alors c'est toujours, c'est moyen l'État encore. Oui, comme vous avez pris, c'est une sorte de restitution. Bon, Kounia, il faut quand même gagner un tribunal qui prononce tout ça. Mais peut-être que ça n'est pas une restitution. Pour vous restituer. Mais vraiment, nous gagnons dans le monde. Nous gagnons net. Nous, par contre, ça n'a pas fait du tout. Et nous croyons que c'est triste pour un pays comme Haïti qui gagne. Toute capacité ça, tout potentiel ça, et toute force ça qu'on a à Haïti gagnant pour aujourd'hui à nous-mêmes, nous montrer le monde que nous sommes incapables et nous vraiment incapables mm-hmm. pour nous administrer un pays et chaque jour, inégalité a, l'a développé, et tant que nous développé, l'a alimenté pauvreté en retour, et pauvreté ça lui-même, il n'y a pas l'autre bagaille, insécurité, kidnapping, viol, c'est même bagaille ça. Et n'a pas que côté nous, il y a aujourd'hui, il traduit clairement. Yon l'État qui pas jamais gen sa rele yon agenda qui gagne une vision qui base li sur perspective développement économique pour population. Mm-hmm. Donc c'est normal jodi a, li vinn paraît normal. Alors, on a qui anormal qui vinn paraît normal. Mm-hmm. Donc les on jeune levé, pas de politique sportive, pas de politique éducative, pas rien pour lui développer maintenant et potentiel humain, on a parlé de développement humain tout ça yon entre en ligne de compte, c'est liberté humaine dans cette forme, eh bien puisque pas gagne yo. Pas de croissance endogène, pas de résilience économique, eh bien, et jeune ça aujourd'hui, il y a une campagne, j'ai un campé. Donc, nous campons face à l'État et nous rendons compte que l'État lui-même, tout l'y alimenté, encore en retour. Mm-hmm. Puisque la majorité de monde qui dans le secteur banditisme, ils ont joué, et nous avons entendu parler d'une dernièrement avec son rapport à Anel Tap. Alors, Anel Joseph Tap, Tap, pour nous, c'est n'est pas. Dans le tribunal côté le DIA. Donc nous te ouais ça aurait dit côté que toute affaire lui joindre sans problème. Donc c'est normal je dis à pour dans mauvaise gestion ça nous reculer Haïti davantage. Mm-hmm. Et simplement leçon pour nous tirer de samedi là c'est que de 2017 à 2020 nous perdu 7 places. Et président te dit c'est corruption. Malheureusement, lui confond conséquences et causes. Mm-hmm. Donc corruption c'est pas le problème, non?
vrai problème dans son problème de l'État qui alimente mauvaise gouvernance et qui vit baou maintenant ligne de corruption ça. Pour nous finir, c'est juste, est-ce que vous avez espoir que nous capables et on est sorti tête nous côté ni là. Moi-même, moi gagne, moi en plus nous qui suivent moi comprendre que nous vivons un seul bagage. La révolution régalienne de l'État, c'est seul bagage qui pour nous l'autre pays qui nous vivons. Mm-hmm. Pas gagne aucun moyen pour pays ça aller vers croissance, vers le développement économique, vers le développement durable sans qu'elle pas changer mode l'État ça que nous gagne là. L'État ça que nous gagne là, il pas refléter expression citoyenneté nous. Donc en retour, il pose un problème juridique puisque c'est l'État qui alimente une oligarchie. C'est l'État prédateur qui pas bail 11.25 millions haïtiens réglés en un pour lui. Lui seulement au service de 500 000 haïtiens donc qui kidnappé le tout donc jodia qui vient bay ça on gen là ma problème pour tout le monde il n'existe pas de génération spontanée toute génération bon calcul qui mène le côté là donc bon calcul jodia qui fait que moi même Josué Esaïe ou encore yon moun qui capable Alex Kiril pas capable nous même répondre à ça les besoins petit nous. Nous ne pouvons pas maintenant en retour bailler pays à ça qui a besoin. Donc, on calcule qui mène nous côté nous mène. Et si nous allons dans la racine du problème, il y a vraiment, vraiment, vraiment profond. Et donc, tout autant ne pas changer l'État, nous ne pas aller vers un État régalien et en même temps laïque. Moi, je dis moi, oui, laïque. Parce que nous avons des gens qui pensent qu'on est capable de développer Haïti sans un État laïque, on ne peut pas. Donc, un État régalien laïque, c'est seul moyen pour haïtien yo même alimenter rêve yo gagne mais tout autant que c'est l'état sans gagne là n'a parlé de superstructure là m'a parlé de gouvernement non m'a parlé de l'état m'a parlé de gouvernement m'a parlé de l'état m'a arrêté le gouvernement ça jodi mettons l'autre a même résultat ouais, ouais. Donc il faut que gagne une révolution régalienne de l'état un état laïque qui pour bailler chaque haïtien liberté pour jouir droit fondamental. Merci un pile Benel Saint-Just pour éclairage pour ça au côté pour nous sur rapport Transparency International sorti côté n'a rappelé Haïti classé 177e et sur 180 pays et nous perdit 7 places hein de 2017 à 2020 et Benel Saint-Just. Merci beaucoup. Exactement. Nous saluons tout le monde. Donc à bientôt. Voilà, c'était économiste nous ici hein et a fait par nous Benel Saint-Just qui pas jamais fait le prier pour le côté éclaircissement pour nous sur ça qui gagne avec économie monsieur Benel Saint-Just qui continue à faire travail m'a dit que les choisi faire mais population a vraiment vraiment besoin ont tel travail proverbe 10 verset 18 pour journée jeudi hein? Proverbe 10, verset 18, il dit comme ça. Ou Proverbe 10, verset 17. Verset 17, là, dit comme ça. Verset 17. Moun qui coûte les yo, ra les oreilles, a joué un chemin la vie. Parce que tout ça, Benel, économiste Benel, souhaite expliquer là, ouais, c'est oreilles, c'est oreilles dirigeants, là, pour aller. Ouais. Et ça aurait l'État là pour aller. Proverbe 10, verset 17 là dit, moun qui coûte les oreilles, a besoin de chimer la vie. Mais moun qui refuse admettre les yo en tort, perdit chemin yo. Mais moun qui refuse admettre les yo en tort, perdit chemin yo. Alors hier soir, tu as eu un gros accident dans Delma 40B. Un gros incident. Un gros assassinat. Hein? Un gros descendelier qui fait dans non maquette. Alors maquette ça relé. Alors fait dans maquette là non? Et il fait comme si sous propriétaire maquette là qui était dehors. Alors information pam. C'est pas dans maquette là. Non, information pam ben moi que li fait sous propriétaire maquette là okay. Sous famille qui dans dedans. OK. Il râlé, monsieur parce que yo mandé monsieur pour sortir pour yo monsieur monter machine.
monsieur Abgoumen, il dit pap monte machine. Donc aller aller monsieur dehors, yo fizil et yo fizil en face madame les petites. Monsieur, est-ce que nous va pouvoir arriver? Monsieur Sénéglester. Comme si yo gen pour yo gen temps pour Abgoumen parler, faire discussion avec population. Non, monsieur, c'est point de venir pour monsieur. D'ailleurs ouais. C'est monsieur même qui était venu kidnapper, c'est pas question famille. Parce que madame petite là, était là, on va faire rien. Puisque monsieur pas de moute machine là, le fils de monsieur. En face, alors, madame là et petite là. Monsieur, c'est sous-président Matéli, monsieur était ministre conseiller Santiago. Donc, monsieur, tout est un ancien candidat à la Kaili Lester. En tout cas. Bon, monsieur, c'est d'être calé. Maquette là, bon, pas connaît. Oui, bon, quand même. Maquette moun d'être calé. Maquette là, il est Saint-Yo. Saint-Yo, son mini maquette qui est dans 40 BA. Eh bien, soudainement. Nenel tout pour faire maintenant. Non, alors, il y a une machine qui prend balle. Pendant, oui, oui, oui. Pendant, machine Nenel. Belle femme. Belle femme politique, mon cher. Mais on va dire mais on va qui gagne. On va dire c'est que Nenel pas comme ça qui passe. Oui, ça Abdoulaye. Et son Nenel Boudou. OK. Nenel qu'a pensé. Même d'après le droit. Tu attaques. Oui. Comment ça Nenel Boudou là? Oui, oui. Parce que après si vous pas arrêter. Alors il était dans même zone. Dans même zone. Là passé, là passé. Oui. Là il vient. C'est pendant dès il vient prendre monsieur quand il a fusé. Mais j'ai bail là. Gain balle tout c'est pas monsieur seulement quoi. Là il dit qu'on gros l'autre groupe nèg qui t'a tiré. OK. OK. Parce que jusqu'à présent il dit c'est deux alors il vient pas qui masque. Pas de deux groupes qui ont tiré et parce que gon riposte qui fait. Oui, donc gon groupe gon police qui dans zone là qui tire tout. Ouais. Okay. Donc ça veut dire que c'est pas machine nette. Mais monsieur a mouru avec de grands calibres. Non, selon l'information. Monsieur lui-même c'est monsieur qui était mettre bagarre là. Alors justement, il y a plus de machines qui pas. Donc action c'est sur monsieur de Vinfel. Oui, c'est monsieur qui vient chercher. Oui, vient chercher monsieur. Ouais. Il vient lever monsieur. Pas d'accord. Monsieur pas d'accord. Et pendant qu'il kidnappé, il n'y pas aller. Donc, monsieur exécute monsieur. Donc, monsieur, les gens, Jacques-Pierre Matilus. La famille Matilus Lester. Ah, grave. Et ça veut dire que la Tibonite a frappé. Ça veut dire, mais ça, qui expression ça vous qui message de vous qui message c'est kidnapping, c'est même kidnapping que vous faites là. Non, il veut dire pas, bon, dans business, vous prenez mon business, vous prenez mon. Non, mais tout partout. La caillou, vous prenez. Vous sortez dans la rue, vous entrez, c'est pour vous faire au nom du Père ou bien vous priez ou dire merci pour Dieu, grand maître, dans son coin. Parce que pas gagné rien qui empêche que vous sortez ou entrez. Non, mais là, monsieur, il faut que vous m'avez dit, hein. Faut qu'on bagaille qui il revient et pas faut qu'on bagaille qui dit nous parce que nous t'endant pile faut qu'on bagaille qui fait c'est dans soyer là jodi même parce que journée jodi là et premier ministre a un gros travail pour le faire faut qu'on bagaille qui gros qui bagaille pour le faire là et sorti jodi oui nous pas en parler c'est action population c'est action à chercher c'est action le besoin. Est-ce que vous comprenez? Ni président de la République, ni premier ministre, ni directeur général de la police, ni ministre de la justice, ni ministre de l'intérieur, monsieur, c'est mettre action dehors pour nous traquer et traquer tout bandit qui a des problèmes dans le pays. Quel est bandit qu'on a dit identifié qui c'est bandit politique? Quel est bandit social? Quel est bandit économique? Quelle est la qualité bandit? Mettez grain dans le bout d'un, monsieur, pour nous gérer la situation. Parce que je ne vais pas mentir, la population pas payer nous pour grand messie. La population pas payer nous pour une parole en radio. Moi-même, j'en ai marre okay, d'écouter ces gens qui parlent à la radio toute journée. A vinn parler dans radio, moi m'pa vle tande parler encore. OK? Alors Isaïe, moi mande action. Yo ba nou ki numéro plaque machine là té. Mais pour raison. Ah. Yo ba nou ki numéro plaque machine monsieur té vini, mais pour raison. Non, nous pas la gueule. Si nous té wè photo a. Ouais. On côté, vous comprenez? Mais puisque nous pas gen photo machine là, nous pas choisi répéter question comme ça parallèlement et puis nous dit les arrivés pour tout le monde côte sud et Jougrivé Chansol et Palak PIA et prend responsabilité yo les arrivés pour tout le monde côte sud hein PIA et rencontrer avec Nord-Ouest
particulièrement chasseur. C'est arrivé. Parallèlement, Pierre Martin, et mon collègue employé, est-ce que c'est même mon nom? Mon employé et ministère des Affaires étrangères, il tire tout. C'est lui-même. C'est employé. Oui, monsieur, c'est employé, ministère des Affaires étrangères. Ah, ok. Son jouet, c'est négatif pour information, il faut un bon bout de temps. Non, mais c'est, ça veut dire et n'a pas coup, c'est Ricardo Fleuridor, nous t'as supposé parler, faut parler avec Ricardo Fleuridor et nous pas complice. Nous t'as supposé parler tout avec monsieur Secteur Génération qui c'est une branche de l'opposition qui je ne veux dire là. Mais monsieur Sarro, il même dit que et selon information et selon confiance que tu as baillé, monsieur, il dit que